Bonjour tout le monde, aujourd'hui je propose des farfels aux boulettes de bœuf. Allez, pour cette recette, vous avez ici 12 boulettes de bœuf. Là j'ai 280 g de farfels que j'ai passé sous l'eau. Là j'ai une courgette coupée en morceaux. On mettra en fin de cuisson 2 cuillères à café de concentré de tomate, 30 g de beurre, du sel et du poivre. Je mettrai un petit peu de curry. Je rajouterai une petite boîte de pulpe de tomate concassée avec un cube de bouillon de bœuf. Et puis, on va mettre 100 ml de vin blanc. Et puis, bien sûr, il nous faudra de l'eau pour recouvrir nos pâtes. Et bien, c'est parti pour la recette. Je vais me mettre en mode manuel et en mode doré. Et je vais tout simplement mettre mon beurre dans la cuve de mon cookéo. Mon préchauffage n'est pas terminé, mais mon beurre est fondu, donc je vais mettre mes boulettes de bœuf. Là j'ai 12 boulettes de bœuf pour être précis. J'ajoute mes morceaux de courgettes. Je vais saler, je vais mettre du curry, je vais poivrer un petit peu, je vais ajouter mon verre de vin blanc. J'ajoute maintenant mes farfels. Je vais ajouter ma petite boîte de pulpe de tomate concassée. Je vais maintenant verser de l'eau. L'objectif, c'est de recouvrir quasiment toutes mes farfels. Voilà, là on est pas mal. On est parti un peu plus dans la cuve. Ensuite, je vais émietter mon cube de bouillon de bœuf. Et je vais pouvoir programmer une cuisson. On arrête la fonction dorée, on passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide. On garde le temps indiqué sur le paquet de pâtes et on divise par deux. Moi, c'était des farfels 10 minutes. Eh bien, je vais mettre 5 minutes de cuisson. Je fais OK avec un départ immédiat. La cuisson est terminée. Je vais ajouter mes 2 cuillères à café de concentré de tomate. Je mélange. J'ai bien mélangé tout cela, et bien il ne reste plus qu'à consommer cela chaud. Je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres recettes.